Bonjour, bonjour, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je salue tous mes abonnés, les nouveaux et les anciens. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Tata Michel. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une astuce du retour d'affection. Comment faire revenir son ex? L'astuce est tellement simple à pratiquer. C'est très simple parce que les ingrédients sont faciles à trouver, mais très, 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 très efficaces. Je tiens ici à vous à attirer l'attention de certaines personnes qui viennent me demander des astuces inbox. Sachez que les astuces que je vous donne là, les astuces que vous voyez sur ma chaîne YouTube, ne les prenez pas à la légère, hein, parce que vous croyez que quand on donne quelque chose gratuitement, ça veut dire que cette chose n'est pas efficace. Mais non, détrompez-vous. Mes astuces, les astuces que je vous donne là, c'est les astuces qui sont très efficaces, les astuces de déblocage, tout ce que je vous donne là. D'accord? Et je ne partage pas tout sur YouTube. J'ai dit oui. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me permettre de mettre les astuces qui peuvent nuire à la vie de quelqu'un sur YouTube. Parce qu'il y a certaines astuces avec retour boomerang que je ne mets pas, je ne peux pas mettre sur YouTube. Je pense que les astuces comme... il y a certaines astuces de retour d'affection que je ne peux pas partager sur YouTube. Il y a d'autres astuces peut-être pour séparer les gens que je ne peux pas mettre sur YouTube. Je ne peux pas. Et même quand vous venez me demander une bourse, je ne vous donne pas. Hein. Je ne vais pas vous donner. Parce que je sais que ces astuces-là ont un retour, un mauvais retour. Parce qu'il y a retour et retour. Il y a un retour positif et il y a un retour négatif. Donc, les astuces que je mets sur YouTube n'ont pas de retour négatif. Ça, non. Donc, faites attention quand vous venez me demander des astuces sur les astuces inbox. Vous venez toujours me demander, oui, Tata Michel, je voudrais, je voudrais, je voudrais. Attention. Moi, je ne peux pas me permettre de donner une astuce à quelqu'un, sachant que cette astuce peut nuire à la vie de cette personne. Donc, ne prenez pas les astuces que je partage à la légère sur YouTube. Hein. C'est les astuces qui marchent, que ce soit les astuces de déblocage, de purification, d'attirance, tout ça, c'est bien. Ça n'a pas de retour négatif. D'accord? C'est ce que je voulais un peu préciser aujourd'hui. Maintenant, on va passer à l'astuce. Pour faire cette astuce, il nous faut une bougie, hein, une bougie blanche, d'accord? Il nous faut un bout de papier blanc, hein, tout blanc. Papier qui n'a pas d'écriture, pas de carreaux, rien, tout blanc comme ça. Il nous faut du miel, hein, du miel naturel. Cherchez un bon miel pur, hein. Il nous faut un plat. Mais de préférence, il faut utiliser un plat en inox. D'accord? Parce que là, on va brûler la bougie. Donc, il faut un plat en inox. Je vais vous montrer un peu. Moi, j'utilise ce que j'utilise pour mes rituels. Hein. Vous voyez comment c'est noir, noir dedans. Hein? Vous voyez, c'est là où moi, je brûle mes choses. Même quand je fais de l'encens dans la maison, c'est ce que j'utilise. Donc là, on est tranquille. On sait que rien ne va brûler. Donc, rien ne va prendre feu. Donc, de préférence, utilisez l'assiette en inox, d'accord? Donc, je disais tantôt qu'il nous faut un plat en inox. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord prendre notre bout de papier. On va écrire. Vous voulez faire revenir votre doudou, votre chéri, votre mari, votre femme, votre copine. Vous allez écrire, donc les paroles hein, doivent venir de vous, donc les mots doivent venir de vous. Vous écrivez ce que vous voulez sur le bout de papier. Après, vous allez prendre le miel, vous allez verser en formant un cercle, d'accord, sur votre plat en inox. Je précise encore, là c'est juste un exemple, ce n'est pas un plat en inox, juste vous montrer comment faire l'astuce. Après avoir versé votre miel en forme de cercle, parce que vous allez juste verser tout autour, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup de miel, juste un tout petit peu, juste pour que le miel fasse un petit cercle, c'est tout.
Après, vous allez mettre votre papier où vous avez mis vos intentions dans vos trucs d'amour, vos paroles d'amour envers votre chéri. D'accord? Vous mettez au milieu de votre assiette. Ensuite, vous prenez une bougie, votre bougie blanche. Vous allez la mettre au milieu. Mais vous allez d'abord allumer la bougie avant de la mettre au milieu. D'accord? Vous allez la placer au milieu du papier. Et pour que la bougie ne tombe pas, parce que la bougie ne doit pas tomber, hein, vous voyez, vous allez verser, vous voyez ce que vous dites, pour tenir la bougie. D'accord? La bougie doit rester allumée. Pendant que la bougie consomme, vous allez faire vos vœux. Bon, je vous donne un exemple. Vous allez dire, donc vous allez appeler le nom de la personne et vous dites que son cœur doit brûler d'amour pour vous. Et vous prononcez votre nom comme cette bougie. Donc vous fixez la bougie et vous faites vos vœux. Et vous allez prononcer la phrase trois fois seulement. Toi tel que ton cœur brûle d'amour pour moi comme cette bougie. Une fois. Vous dites encore, toi tel que ton cœur brûle d'amour pour moi comme cette bougie. Toi tel. Donc trois fois comme ça la même phrase. Et vous allez laisser cette bougie. Donc la bougie, vous n'allez pas éteindre la bougie. Hein. Elle va s'éteindre seule. Donc elle va consumer là jusqu'à ce qu'elle s'éteigne seule. Je dis bien seule. Et l'astuce est à faire dans la nuit. Choisissez l'heure qui vous arrange. Mais ce n'est pas une astuce à faire en journée. Faites-le le soir. Donc, à partir de... Quand je dis le soir, quand il fait déjà nuit, hein, à partir, ça dépend des pays. Il y a des pays où il fait nuit à 18h30, 19h. Donc, quand il fait déjà nuit, c'est là où vous allez faire votre astuce. D'accord? Et en faisant l'astuce, soyez donc c'est pas, prenez quelques instants pour que vous soyez concentré. Vous ne pouvez pas faire l'astuce en pensant à votre nourriture qui est dans la marmite que vous devez manger maintenant. Ou bien en pensant à la bière, à la bière qui est dans votre frigo que vous devez boire. Non. Donc, videz vraiment votre tête, soyez concentré en faisant l'astuce. Et vous allez vous-même voir. Ça ne manque pas cette astuce. D'accord? C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Sur ce, portez-vous bien. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.